Bonjour. Bonjour, la reine Abigail, la reine Christelle, la reine Marie, la reine Mireille, la reine Adjani. Vous savez, tellement de personnes de votre entourage veulent votre mal. La déception, c'est quelque chose. Hein. Tu sais, au Cameroun, c'est rare de voir un couple de deux personnes qui sont bien. Genre, tu vois, l'homme est bien, la femme est bien. Ils sont ensemble, leur vie va bien. Parce que tu as beaucoup de personnes qui vont. Et une bataille mentale que tu traverses. Et tu dois avoir le discernement. Bonsoir, bonsoir la reine Zuleika, Alig, Agnès, Florence, Sandrine, bonsoir à vous toutes. Entre tes meilleurs amis, je rappelle que ce ne sont pas tous vos meilleurs amis. Écoutez, même quand on dit même que ce ne sont pas tous, aucun meilleur ami ne veut que tu sois heureuse. Vous savez, quand je dis souvent que les choisis vont s'habituer à être seuls, ce n'est pas la blague. Hein. Ce n'est pas la blague. L'homme est mauvais. Oh my God. Eh! Alors, laissez-moi comme ça. Je veux rester comme ça là. Je vois le visage de certaines personnes. Que non, tu es ma jumelle. Et parfois, quand tu vois la vie de la personne, les gens que vous dites que je la prends comme ma tata, faites attention. J'ai vu le TikTok d'une dame l'autre jour. Elle dit que. Elle s'est fiancée à un Européen. Elle a posté la bague sur son statut ou sur son Facebook, quelque chose comme ça. Sur son statut. Les gens sont allés créer les faux profils, écrits à son fiancé. Dit, elle a les enfants et elle a un gars au pays. L'autre a même dit que c'est ma femme. Après, le gars vient lui dire que le blanc qui vient lui demander un mariage, là, il dit que prends d'abord du temps pour résoudre tes problèmes. Tu as des problèmes personnels à résoudre. Résous d'abord tes problèmes avant de venir, on se marie. Souvent, il y a des gens qui te connaissent, mais ils sont contents et heureux quand tu es seul. Ma Juju. Dieu n'a pas fait l'erreur qu'elle soit sortie seule du ventre de ma mère. Dieu n'a pas fait l'erreur. Ma mère était déjà morte. Donc quand elle vient pas me dire que oh, tu es ma fille, je te prends comme ma fille. Ça, c'est le ré. Bonsoir, la reine Sylviane, la reine Flore, la reine Christelle. Bonsoir, bonsoir. C'est le ré. Est-ce que vous savez que les hommes. Écoute, hey, Seigneur Jésus. Souvent, tu commences une relation avec un homme, hein. Il veut bien. Mais lui-même, d'abord, il a dû laisser beaucoup de démons derrière lui pour venir être avec toi. Beaucoup. Tu le présentes à ta tante, ta soeur, même père, même mère, ou bien seulement.
Il dit que... Moi, je suis devenu rococo, mon frère. La personne que tu parles dit que, wow, voici mon mari, voilà mon fiancé, voilà mon projet que je veux faire. Oui, je veux ouvrir mon magasin. N'est-ce pas? Une femme m'a donné le témoignage l'autre jour que son propre père est allé dire à son gars. Son gars lui a ouvert un institut de beauté. Le père n'a pas dit à son gars derrière que tu n'aurais pas dû dépenser ton argent sur elle. Ce n'est pas les blagues. Lauriane, Flora, Ibrahim, Roseline, bonsoir. Son propre père pas dit à son mari, il ne fallait pas dépenser ton argent sur elle. Elle est dans les jeunes, elle est engagée jeune, bain de pipi, jeune, bain de pipi. Elle a fait un lavage à distance, je pense. Et que son mari vient, il s'assoit le soir, il dit que maman, voilà ce que ton père vient de me dire. Iris, bonsoir. Voilà ce que ton père vient de me dire sur toi. Et le père lui dit qu'il fallait prendre l'argent que tu me donnes, je construis ma maison, après je te rembourse petit petit. Écoutez, moi j'ai trop vu les méchancetés des gens. Je suis fatiguée de la méchanceté des hommes. Peut-être qu'elle chaque soir, elle est en train d'intercéder devant son mari à son, pour son père. Que ouais, chérie, il faut qu'on achète la voiture à mon père. Que chérie, bon, ok, on va économiser maintenant l'année prochaine, on va voir comment on fait telle chose à mon père. Elle ne sait pas que son propre père là est en train de partir derrière, derrière. J'ai vu des soeurs. Une femme m'a dit une fois, elle a des soeurs consanguines, c'est-à-dire même père, pas même mère. Elles n'ont pas grandi ensemble. Donc, elle va donc en bain. Elle fait sa vie, tout ça là. Après, elle revient au pays pour se marier. Mais avant de se marier, elle envoie d'abord son fiancé. Que bon, va d'abord dans ma famille, tu te présentes. Et puis, quand on va venir, je vais venir, on fait le mariage une fois, qu'on sait que tu connais des gens. Et c'est entre elle et ses soeurs, il y a la distance de 10 ans. Il arrive à la maison. Et son mari était un petit bastos là, un peu plus jeune qu'elle. Déjà des mignons, mignons là, le goût de ses soeurs. Elle wonder seulement que quand il est encore au pays, il appelle. Il dit que il faut faire attention à tes soeurs. Hein. Tu vois un peu le genre de truc que tu te dis, ah. Oui, j'ai vu le père, j'ai vu ta mère, j'ai vu tes soeurs. Mais tu vois, il faut faire attention à tes soeurs. C'est tout ce qu'il dit. Mof. Chaque fois qu'on prononçait le nom des filles là dans la maison, chaque fois que ton mari elle parlait de ses soeurs, c'était les problèmes qui décollaient dans la maison. Les problèmes, jusqu'à parfois c'est la police qui venait les séparer. Parce que les soeurs parlaient en cachette au monsieur. Les soeurs parlaient en cachette au monsieur, derrière. Est-ce qu'ils sont séparés, non? Et elle dit que quand elle était descendue pour se marier, pendant qu'elle était fait partie du mariage, sa dernière petite soeur dit, ah, pourquoi tu te maries avant moi? Je vous dis que, oh, ah, pourquoi tu te maries avant moi? Parce que ça l'avait tellement fait mal dans le cœur, tellement mal. Quand quelqu'un prend son courage, elle te parle. Écoutez, ceux qui font les commentaires, je ne sortirai pas de mon sujet. Moi, vous me connaissez déjà. Quand elle fait mon direct, vous ne m'éparpillez pas aujourd'hui. Mais si quelqu'un a autre chose à dire, je m'en fous. I don't care. Tu vas dire, commente ton commentaire. Si elle te répond, elle t'a répondu. Elle ne te répond pas, elle ne t'a pas répondu. Voilà. No hard feelings. Parce qu'elle vous connaît. Si tu veux la consultation, tu prends le numéro là-bas, tu écris. Tu dis qu'elle veut la consultation et tu te laves d'abord avec le sel. Au moins 7 jours. Tu te laves avec le sel d'abord. Tu payes et tu attends. Le jour où je suis disponible, je te parle. Et si tu ne peux pas, il n'y a pas de souci. Regarde mes vidéos le jour où tu veux. Voilà. On est OK maintenant, non? Je peux continuer.
Que vous aimez ça, vous venez avec les faux trucs. Bonsoir Rose, bonsoir, bonsoir Ira, bonsoir Justine. Que pourquoi elle se marie avant moi? Parce que vous ne savez pas qu'en tant que choisi dans votre famille, il y a les gens qui ils vous ont déjà classé en bas. Et Dieu, c'est bizarre parce que Dieu aime les gens qui sont en bas. Je ne sais pas comment, je sais pas pourquoi Dieu fait des choses comme ça. Il aime le genre de personne que tu n'aimes pas partir à l'école là. Oui, c'est toi qui vas te choisir maintenant là. Il va te soulever. Oui, tu es arrivé en Benin, tu as tapé 10 ans. Tu n'avais pas de situation, tu n'avais pas de papiers, tu n'avais pas. C'est le genre là qu'il aime. Il te porte, il te soulève, pam, tu montes l'immeuble seulement. Ah, elle n'était pas censée avancer, non. Mais elle a grandi au village avec la grand-mère. Comment ça se fait que. C'est le blanc là qui l'épouse, elle atterrit seulement sur le, en hélicoptère pour son mariage. Les gens sont jaloux. Écoutez bien. Oh, je te prends comme ma fille. Tu sais, je suis une tata, je suis ici depuis 20 ans, tu sais. Comme tu viens d'arriver là, ma chérie, fuis la tata là. Oh, you are. Que. Dans mon patois, que ça veut dire fuis. Et voilà comment ils te disent, je ne peux pas vouloir ton mal. Hey! Vous savez le nombre de fois que j'ai entendu ça? Vous savez le nombre de serpents qui m'a dit ça? Hey! Non, 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 non. Souvent, quand les gens là me choquent, je reste comme ça, là, je suis dépassé. Ne me promettez pas les choses. Donc, ne me demandez pas. Pardon. Je ne peux pas vouloir ton mal. Ah! Je vous assure. Remonter en arrière. Toutes les personnes qui vous ont dit que oh, tu es ma personne, je n'aime pas les atalakous gratuits. Ne me donnez pas les atalakous. Leave me alone. Laissez-moi. Depuis que ta mère est morte, tu sais, j'étais toujours pris comme ma fille. Et le tout, c'est que quand la personne parle, si tu es sensible, ton esprit fait qu'un genre. Like. Attends un peu que ton mari tombe, tu vas voir. Tu vas voir tes tatas là. Tu vas. Hey! Pardon, laissez. Hey, pardon. Mon cotenio. Quittez-moi, pardon, laissez-moi. On va voir comment elle va s'élever maintenant. On va voir. On va voir comment elle va s'élever. Souvent, on te raconte les petits brins de conversation que les gens ont eu à ton sujet. Tu restes comme ça là. Tu dis, je n'ai pas fait quoi pour cette personne. Je vous ai dit, je vais vous donner le certificat légal pour être maintenant des aideurs dans les orphelinats. Mon don, je porte mon argent, je pars, je donne à l'orphelinat. Je ne connais pas quel orphelin va prendre. I don't want to know. Je ne veux pas les atalakous de l'orphelin. Non, n'est pas là de venir. Elle veut nous montrer que. Parlez, tu sais ce que ça te fait quand tu aides quelqu'un, la personne te fait mal. Jesus. Et parfois tu. Et je vous mens pas, l'ironie de la chose, c'est que ces gens-là seront toujours en bas. Je suis pas en train de parler, donc c'est un constat. Tu fais ta chose, ça marche. Pam, 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 la voiture. Tu n'as jamais manqué le carburant pour mettre dans ta voiture. Tu payes 15 loyers. Oh, pardon, attendez, j'ai envie de crier, je danse ici, là. Oh my God. Oh my God! Quelqu'un dans 50 000 de loyer par mois. Tu es dans les 1,5 million de le mois. Ça l'énerve! La méchanceté des hommes, j'ai envie de pleurer, je vous assure. Les gens sont méchants.
Quand ils viennent à côté de toi, ils voient tes choses. Tu ne manques pas à manger chez toi. Et les gens là viennent manger chez toi. Oh, pardon. Oh my God, je sais pas pourquoi ils m'excitent trop aujourd'hui comme ça là. Ils viennent manger chez toi, hein. Ils viennent manger chez toi. Ouais, donc moi-même, l'agent est taxi, non? Oh Seigneur, ça me donne envie de... Oh, j'ai envie de pleurer. J'ai découvert des choses ces derniers jours-là que ça m'a... Je dis que quel est le bien que je n'ai pas voulu pour toi? Quel est le conseil que je ne t'ai pas donné? Parfois, il te prête et te montre même que voilà comment on fait ce que je fais. Voilà comment on fait ce que je fais. Mets seulement ton cœur pur sur ça. Fais seulement bien. Une personne avec laquelle j'ai commencé à travailler comme ça. Et mon cœur a beaucoup hésité sur cette personne. C'est seulement que la personne... Tu vois, comment on dit que quelqu'un est le décepticon caché? Je n'avais pas encore vu le degré là. Je n'avais pas encore vu. Parfois, je dis que vous n'avez pas peur de Dieu. You know, fear God. Vous n'avez pas peur de Dieu. Dieu voit. J'avais un de mes bureaux où mes employés étaient bien. La fille gérait bien. Maman, tu montres moi la personne comment chercher l'argent. On ne peut pas prendre le porc, on le lave, la reine Roland. Tu ne peux pas prendre le porc, tu le laves. Tu montres à la personne que assois-toi ici. Tu fais, tu ouvres même, tu montres que voilà, parle au client comme ça. Achète ici, tu viens, tu vends. Achète à 1000 francs, tu viens vendre à 10 000. Tu fais ton bénéfice sur ça. Je vous ai parlé des porcs l'autre jour, non? J'ai dit que le porc, tu tends la main, tu donnes un tuyau au porc. Tu glisses, tu tombes, il mange tes fesses. Excusez-moi. My God, le porc est méchant. Le porc est... J'ai fait le direct où j'ai parlé du porc. J'ai dit vraiment, le porc. Quand j'ai analysé la nature du porc, j'ai compris qu'il y a certains êtres humains que Dieu a fait. Il a mis l'esprit du porc en eux. Oui. Ah, j'ai... Seigneur. Oh non, ça m'a fait mal. Cette dame vient donc, elle commence à gérer une partie, un de mes locaux. Ça ne fait même pas un mois. Ma caissière là-bas commence à me manquer de respect. Je dis ça ne ressemble pas à la physique. Ma caissière me manque intensément de respect. Elle vole dans mes caisses. Et j'en parle à la dame. Non, vraiment, moi je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment. Je ne comprends pas comment elle peut faire ça. J'ai dit non, j'ai travaillé avec la fille ici 4 mois avant que toi tu n'arrives. Je ne la connais pas comme ça. Et vous savez, ces Decepticons, ils manipulent beaucoup les gens qui ont les jeunes qui ont les esprits purs et faibles, je dirais. Je me déplace, je quitte moi-même. Et je ne m'étais même pas en santé le temps là. Je voyage, je pars, je suis allé jusque chez la caissière, sa maison, pour prendre les derniers détails de mon entreprise. Que ma chérie, remets-moi. Elle m'a nagué le jour-là. J'ai regardé la fille là comme ça. J'ai compris que c'est un esprit. C'est un esprit qui est entré dans l'enfance. Ça m'a fait mal. Je l'ai laissé, je suis parti. Et la période là, tout le monde dans l'entreprise, dans là-bas, tous, je les ai renvoyés. Hein, parce qu'elle avait installé un esprit dans mon entreprise là que. Tu vois, quand tu viens, tu parles, après tu parles, tu n'es pas là. Oh là là. Je prends une deuxième personne, je mets. Et j'allonge une nouvelle base, ça va, ils sont. Mais elle était toujours là. Et je ne savais pas que ça venait. Merde. La deuxième personne, je chasse.
la troisième personne. Vous savez, la troisième personne fait le même comportement. Après, j'apprends que quand la personne s'asseyait avec mes employés. Oh non! Comment la personne gâtait mon nom? Comment la personne me méprisait? Oh non! Oh non! Je reste, j'essaie de voir, je fais la cassette en arrière. Je fais zut, je dis ok. À quel moment j'ai voulu le mal de cette personne? J'essaie, je regarde à gauche. Je fais comme ça là, je regarde les angles de la caméra. Je ne vois pas le moment où j'ai mal. Je dis mince. Donc dans mes projets, est-ce que j'ai même comploté contre la personne? Non. Est-ce que j'ai même un jour insulté la personne? Hey. Est-ce que la jalousie, hein? Comme tu vois, tu es comme ça là, tu es bien. On te voit 1 an, 2 ans, tu ne souffres pas, tu n'es jamais tombé. Tu arrives quelque part, tu as toute ta même constance. Tu es dans tes avions, on attend, elle va tomber. Tu es dans elle va tomber, elle va tomber. Elle ne tombe pas. Les gens qui viennent, tu ouvres la bière dans ta maison, tu leur donnes là. Les gens là. Ouais, est-ce que ton mari va bien? ma chérie, ouais, ça va aller. Oh, pardon, laissez les sons. Je vous dis que Hey. Et vous savez, ces gens-là ont... Je ne savais pas que les serpents existaient en forme humaine. Je ne savais pas. Maintenant, dans cette phase de ma vie, ce que Dieu est en train de m'expliquer, en fait, c'est que ces gens-là sont venus à toi à cause de ta lumière. Parce qu'il y en a parmi eux, le temps où ils traînaient à côté de toi, ça te donne la rage. Hein? Le temps où ils traînaient à côté de toi, par semaine, ça m'a touché même les 4 millions, les 5 millions, les ceci, parce qu'ils prenaient pour venir te donner, ou bien parce qu'ils prenaient que tu envoies que va faire ça, va faire ça, va faire ça. Quelqu'un qui reste comme ça, là, même 200 000 ne touche pas par moi. Ça ne passe pas dans sa main. La bénédiction coule. Toute personne qui s'approche de toi, c'est comme le feu, non? Quand on allume le feu, on se rapproche du feu. C'est pour chauffer aussi, non? Toi, tu es le feu. Toi, tu es le feu. Et ce ne sont pas eux qui te mettent le carburant ou qui te mettent le bois ou qui te mettent les allumettes. Rien. Oh my God. Oh my God. Écoutez, Dieu m'a dit ces derniers temps, c'est que tu n'as pas besoin de voir comment je traite les gens qui t'ont fait du mal. Sache que comme toi, tu es le feu là, quand quelqu'un quitte à côté de toi et qu'il a voulu venir verser l'eau dans ton feu, l'eau là se transforme toujours en essence. Toujours. Et quand il quitte à côté de toi, le froid qu'il va subir, même là où c'est la Sibérie, si c'est la quoi, on appelle l'Antarctique. Excusez-moi, ça ne va même pas vous voir le carreau de ça. Souvent, on se dit que vous n'avez pas peur de Dieu. Quand tu me vois, je suis béni comme ça. Hey! Wow! Non, I fear God. Moi, j'ai peur de Dieu. I fear God. Tu peux venir, tu fais tes choses là. Je n'ai même pas besoin de dire une parole. Le point, c'est que vous devez développer votre connaissance de vous-même. Il y a bien là parmi vous que quand vous faites seulement petit cheveux comme ça, ils touchent que ils vont souffrir sur 3 générations dans leur famille.
Il va souffrir, tu vas aller de boulot en boulot, de ville en ville, traîner, traîner, errer, errer. Il accouche ses enfants d'abord, même il n'a même pas le droit de les voir. Les enfants sont éparpillés partout. La souffrance sur eux. Parce que tu lui as fait du bien. Il a tourné ça et t'a fait du mal. Et ces gens-là seront toujours comme des vautours. C'est fou, hein? La mentalité de prospérité, les choisis sont dans la prospérité. Le choisi peut arriver quelque part comme ça là. Je sais pas. Oh my God. Oh my God. Les choisis, mon frère. Quelque part comme ça, sens ça sur mon corps. Tu veux toujours voir les gens avancer là, partout où tu vas. C'est ce qui fait ta force. Ils ne savent pas. La personne ne peut jamais te dire que j'ai fait ça à quelqu'un. Que j'ai, voilà, j'ai aidé telle personne, j'ai positionné telle personne quelque part. Non. Ce sont des vautours. Les vautours. Ils cherchent seulement les peaux mortes pour manger. La chair qui est déjà morte, c'est ça qui leur plaît. Les restes des gens. C'est quand tu détruis quelqu'un. Parfois, il te détruit comme ça. Là, la personne à qui tu te détruis, le jour, on va lui donner même 20 000. C'est tout ça part là-bas. Maman. Ok, tchon. Ok, tchon. Je ne peux plus voir quelqu'un. Je dis que, ouais, Seigneur, pourquoi la fille n'avance pas? Seigneur, avec toute l'onction. Et ils ont les onctions, hein. Et non, la personne te rencontre que mon onction est comme pour toi. Eh oh, ta part n'est pas comme pour moi. Oui, non, de ces mots. Je vous ai raconté l'histoire du prophète là, non? Le prophète là. Le jeune prophète, que s'il bougeait, le président avait même peur de lui. Le vieux prophète l'arrête en route, que viens manger chez moi. Je suis comme toi, non? Je suis prophète. Ça, c'est pour t'endormir l'esprit. Et quand on demande au vieux prophète là, pourquoi tu as intercepté le jeune prophète? Il ne peut pas te dire pourquoi. C'était la jalousie. Et là, il a raté sa vie. Les pays que j'ai fréquentés, j'ai souvent rencontré les Camerounais là-bas. Je regarde la personne et je dis, ouais, Seigneur. Seigneur, si tu permets que ce que je veux faire marche, je vais aider la personne-ci. Si tu permets ce que je... Ouais, je peux m'ouvrir un truc qui gêne, non? Ouvrir qui gère. Comme je dis, beaucoup de choses, c'est même vous-même qui avez encore cherché. C'est parce que ton mari te protège même trop. Parce que si il te dit souvent les choses qu'on lui a dit de toi, que tes amis sont venus te dire, lui dire, à propos de toi, sa femme. Oh chérie, voilà ma copine. Voilà. Il sympathise aussi avec elle comme ça. Là, non, voilà. Bon, c'est la copine de ma femme. C'est le cousin de ma femme. Bon. C'est ça, mamie. Tu quittes le public avant que le public ne te quitte. Un jour, la copine là va venir dire des choses à ton mari. Que si il te dit, merde. Tu as tes chaussures, tu achètes une chaussure, tu achètes pour elle. La perruque, maman, tu trouves un truc, tu dis, oh, maman, toi aussi, prends, non. Et le truc, ce qui doit te mettre la puce à l'oreille, c'est qu'elle ne t'a jamais. Ces gens-là connaissent comment vous prendre. Hey, ma Gigi. Ma soeur chérie. C'est ça que je suis toujours là pour toi, non? Et ils ont une voix suave, une voix douce. Moi, je sais que quand les gens me voient, ils ont peur de moi. Je sais pas pourquoi. Parce que moi, quand ils parlent, quand ils parlent là. J'aime quand les choses sont claires. Ne me flatte pas. Don't flatter me. I don't flatter people. Je ne flatte pas les gens. Oui, ma Gigi. Tu sais que tu es ma personne, non? Ouais, maman, tout ce que tu veux, je suis là pour toi.
Oui, c'était pour avoir de tes nouvelles. Non, je suis en jeûne depuis 7 jours. Voilà, je suis plus trop au téléphone. Ouais, le Seigneur, je suis en jeûne, ok? On le traite, voilà. Ah, mon moi, maman, tu as bien parlé. Oh, sing poupon. Mon moi. Hey, pardon, excusez-moi. La personne n'a jamais de problème dans son couple. C'est à part qu'elle veut savoir. Hé, ah bon? Tout va bien avec ton mari? Mais maman, toi aussi tu es mariée, non? Pourquoi tu m'as jamais dit ce que ton mari avait? Oh, l'homme dit non. Tu oses un peu dire que mon mari a fait ça? J'ai toujours su, hein? Moi, je t'avais, j'ai toujours su. Depuis le premier jour. Arrête, Roland, qu'est-ce que tu as jugé? Hey. Tu sais, j'ai toujours su ça, hein? Mais je ne voulais pas te dire. Vraiment. Moi, j'avais déjà vu ça depuis. Je l'avais vu venir. Alors que, si tu regardes même ce qui a précédé les actes que cet homme a posés, cette personne a quelque chose à y voir. Tu sais, ta femme, vrai qu'on se connaît depuis 20 ans, mais vraiment, tu ne sais pas ce que ta femme a fait à son ex. Hein? Tu sais pas ce que ta femme a fait à son ex. Hein? Elle avait vraiment, elle a fait la même déprimée. Hein? En tout cas, moi, je te disais seulement, hein, il ne faut pas que ça fasse des problèmes entre vous. Elle a lancé sa semence, elle est partie. Vous savez, les choses qu'on voit dans les films, là, moi, je n'ai pas encore vécu les novellas. Je n'avais pas encore vécu les novellas. Déjà que ça me touche. On vient tourner ça dans mon salon. Je regarde. Je vois les acteurs. Après, on dit action, ça tourne. Hey. Et le jour où ton mari te dit que fais attention à ta copine, ma chérie, ne lui demande pas qu'elle a fait quoi. Écoute. Hey. Voilà, que si ton cœur te dit. Ah, vous connaissez, je crois que vous êtes déjà devenus les experts. Ouais, on vous a un peu. On vous a un peu. On t'a un peu fait ça sur le cœur comme ça, la vie. Parfois, elle dit que je n'aime pas ta copine là. Quand elle a fait quoi, non? Eh bien, je vais préparer. Mamie ne prépare pas chez moi. Je n'ai pas acheté la nourriture au restaurant. Je ne prépare pas, ok? C'est bonne nourriture, j'achète au restaurant. Mon mari va manger. Je vais seulement t'aider, non? Et vous savez, lisez entre les lignes avec les gens. Lisez entre les lignes. Parce que si quelqu'un vient de. Après, quand tu analyses, que tu vas voir que. Il y avait quelque chose que je ne sentais pas, mais je n'ai pas voulu pencher un peu plus l'oreille. Entre les lignes, vous allez voir. Voilà, elle est venue pratiquer dans ta chambre. Après, elle refuse de venir chez toi. Voilà, ton mari m'a demandé si on t'a envoyé en mission. Que non, je te disais seulement, hein. Je parlais seulement. C'est pour ça que moi, là, je fais trop attention. Je ne veux pas. Moi, les maris des gens, je fais trop attention. C'est n'importe quoi que tu étais, je ne passe pas ta. Si tu étais rencontré par ta femme, je ne passe pas ta femme. Et si c'est l'homme que je connais, maintenant que tu te maries. Quand on dit l'un, oui, je mets seulement que ta femme. Bon, oui, madame est là. Oui, on. Pardon. Quand tu vas commencer à lire entre les lignes, tu vas voir que sur 100 paroles que la personne avait dit, il y avait deux paroles qui se montraient, ça te montrait déjà. Mais tu t'es enjaillé par ouais, c'est la fête, buvant.
J'ai un monsieur là comme ça que j'ai travaillé sur lui. Il est venu de Mbeng. Il me dit que quand il a commencé à m'écouter, il était au sol, à terre. Et quand il était à terre, il n'avait rien. Voilà, les clins d'œil. Première fois que tu présentes ta copine à ton mari. Et je suis sûr que tu n'as pas voulu voir les signes qu'on te montrait. Tu n'as pas voulu, non. Et quand vous prenez l'habitude de liser les signes, moi je dis toujours que lisez les signes. Parce qu'il y a les petits signes que ça ne va pas tromper. Et malheureusement pour vous, il y a les signes que vous ignorez. Et quand tu ignores, ça va te rattraper. Et parfois, oh, tu sais, je n'ai jamais eu de soeur, j'ai grandi seule. Dieu n'a pas fait l'erreur quand il t'a fait grandir seule dans ta famille. Ce n'était pas l'erreur. En faisant que ta mère ait un enfant seulement, Dieu n'était pas bête. Il y en a aussi. Hé, hey, maman, l'autre jour, une là est venue me raconter son histoire. Ouais, je parlais de l'homme de la Suisse, voilà. Il me dit, quand il est tombé, il était au sol. Il me dit, les gens qui mangeaient chez lui les week-ends. Les week-ends. Chaque week-end, barbecue, barbecue. Il était dans les 200 euros par week-end seulement pour les barbecues. La boisson, les ceci. Quand il est tombé, il n'y avait personne. On se moquait de lui. On se moquait de lui. L'autre vient me l'autre jour. La semaine passée, je l'ai rencontré. Elle me racontait sa part. Qu'il y a une dame là, qu'elle a aidé la femme. Même le loyer de la femme, c'est elle qui paye. Il dit que Tom, là, tu as fait fort, tu as exagéré. Tu prends ta belle-sœur, tu l'aides que comment? Tu commences un commerce, c'est elle qui gère. Finalement, elle prend tout ton argent. Et elle te menace même. Que tu vas me faire quoi? Elle n'en revenait pas. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour la femme là? Qu'est-ce que j'ai... Voilà les fausses questions que vous voulez vous poser. Arrêtez de faire les choses pour les gens. Et parfois, Dieu va te montrer dans le rêve. Parce que vous, souvent, là, vous aimez trop tester Dieu. J'ai rêvé, j'ai vu comment la femme là est venue verser les choses chez moi, ma chérie. God is not fool. Dieu n'est pas fou. Oui, j'ai rêvé comment la femme si j'ai rêvé qu'elle était séduite mon mari. Dieu n'est pas fou. Parfois, c'est ton subconscient qui est en train de te parler, mais tu refuses de voir. Oui, on va te dire que c'est l'argent de mon frère. Oui. Tu refuses de voir. Il y en a même parmi eux. Ok, tu veux même les aider. Ça ne donne même pas. Tu forces que ça doit donner. Ouais, maman, regarde comment tu souffres. Elle souffre à cause de l'état de ses pensées. C'est son cœur là. C'est son cœur là qui est en train de la faire souffrir. J'ai vu des femmes méchantes, déguisées. Le jour où son venin sort, la dernière personne qui m'a fait ça, quand le venin est sorti, j'ai seulement applaudi. J'ai déposé le téléphone, j'ai applaudi. Bravo! Tu sors finalement ton jeu. Voilà que tu te révèles. Tu te révèles finalement. Pardon, dépose seulement là-bas, pardon. Tu te révèles. Oh! Et la personne n'en était jamais. Donc, hey, toujours douce. Non, tu sais, les gens sont comme ça. Ça va aller. Pelos, Dieu t'a béni. Écoutez, Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas bête. Comme il t'a béni là, il n'était pas bête.
C'est l'état de ton cœur. Dieu lui-même connaît que chaque fois. Souvent, tu restes au salaire, tu as 500. Dieu te dit, donne 200 chez elle. Tu restes avec 300, tu portes, tu donnes. Tu crois que Dieu ne lui a jamais parlé au CTD? Et c'est tous les gens qui sucent toujours. Ils sucent toujours. Ils sucent toujours de toi. Ils sucent toujours. Souvent, tu veux faire un projet pour la personne. Ça tourne, ça fait un genre. Tu ne sais pas que Dieu est en train de te préserver. Tu dis, mais j'ai appelé même mes contacts. J'ai appelé même mes contacts. Mamie, pour la famille, alors ne parlons même plus. J'ai fait ça avec trois personnes, ça a marché. Pourquoi ta part ne marche pas? Le cœur de la personne. Et je dois vous dire que le même Dieu qui voit, le même Dieu qui vous a élevé, c'est le même Dieu qui va vous maintenir en haut. C'est le même Dieu qui va encore vous élever plus que là où vous êtes déjà. La Bible dit qu'il fait de mes ennemis mon marchepied. Il me bénit en présence de mes adversaires. Ça veut dire qu'ils vont te voir. Je ne les bloque pas sur ma page. Vous allez passer, vous allez voir mes directs. Ne vous dérangez pas. You go see me rise. J'ai une de mes chansons que j'ai fait. J'ai dit que vous allez me voir être le premier milliardaire de ma famille. Yes. I'm going to rise to be the first billionaire of my family. Vous allez comme me voir. Oh, go, yo. Je ne vous bloque pas sur mes statuts. Eh, pardon, parlons un peu des statuts. Les gens là guettent vos statuts qu'à 3 heures. Ils ne commentent jamais. Il y a l'autre que j'ai résisté. Je n'ai pas pu résister. Je l'ai bloqué. J'ai dit que non, je ne peux pas. Je ne peux pas. I can't deal with this man. I can't deal with this kind of hypocrisy. J'ai bloqué. J'ai dit pardon. Tu fais un truc, tu dis que je suis en train de partir à tel endroit. Je suis en train de faire ça. Oui, je suis en train de faire. La personne fait ça pas en cachette. Ne te dis pas. La personne ne te dit pas. Après, tu vois, tu dis que ah, c'est toi que chaque jour tu veux savoir mes déplacements, non? Hein? Tu fais un déplacement par an. Même seulement m'informer par courtoisie. De toute façon, ça ne me dérange pas. C'est pas moi qui devais payer ton billet d'avion. Mais à ce que je sache, c'est toi qui toi. Ah, tu pars où maintenant? Tu vas maintenant faire quoi? Yeah. C'est pour ça qu'il y a des choses que, même pour poster sur le statut, ça... Non, non, non. On peut te tuer. Eh, le mauvais cœur. Souvent, tu commences ta relation avec un homme comme ça. Tu commences ta relation avec un homme comme ça. Le mauvais cœur de ça. Est-ce que vous savez que les gens peuvent, ils préfèrent traîner avec vous chaque jour. Ils vous amènent en boîte de nuit jusqu'à 3 heures. Mais on ne veut pas savoir que ça va bien entre toi et ton mari. Attends, vous n'avez pas de problème. Vous allez bien. Vous parlez ensemble. Non, 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 non. Pourquoi? Comment? Ça ne se doit pas. Ça ne se peut pas. Vous n'avez pas de problème. Non, vous devez avoir les problèmes. Vous devez avoir les problèmes entre vous. Tu deviens leur ennemi. Je dis que c'est sur ton ennemi. Comment tu peux être sur mes statuts tous les jours? Comment tu peux m'appeler? Comment tu peux venir chez moi? Je peux pas avoir le cœur là. Hein?
Écoute, qu'est-ce que tu n'es plus dans ma vie, même tes statuts, tu ne regardes pas. C'est un esprit malsain. Tu sais dans ton cœur que tu me détestes. Mais tu es tenté de checker ce qu'il fait. Voilà. Elle te cache le père de son enfant. Maman, tu vas rentrer chez toi, tu que reste. Mon côté, un nion, je suis pas moi sur ça. Je suis pas mal là, pardon. Excusez-moi. Quand je finis avec toi, j'enlève ton énergie de ma vie. J'enlève ton énergie. Donc je ne peux pas rester comme ça là. Je suis sur les statues et je dis que ah, qu'est-ce que Pélo fait? Qu'est-ce que Vanessa fait? Non, non, non. Je ne peux pas. Certains membres, vous savez qu'il y a des gens qui consultent vos statuts sans que vous ne les voyez, non? Mais si j'avais trop faim, je ne peux pas. Je dirais que c'est bon afin qu'elle mange pas. Il faut qu'elle mange un peu. Il check en cachette. C'est un jour quand tu postes un truc, la personne commente sur le statut, dit que mais je ne savais pas que tu voyais mes statuts. Il voyait. C'est là que je te rappelle toutes les fois où tu as posté. Un événement heureux, tu mets. La personne ne commente pas. Un événement ceci, tu mets. La personne ne commente pas. Hé hey. Donc ça veut dire que tu. Les ninjas. Hein? Ouais. Les ninjas. C'est qu'ils me demandent que dans leur cœur, ça leur fait comment? Je ne t'aime pas, mais je viens te checker chaque fois. C'est comme ça que quelqu'un empoisonne quelqu'un. Oui, même l'anniversaire, on ne te souhaite pas. Oui. Je te souhaite pourquoi? Ne me demande pas le cadeau. Hein. Même seulement du jour d'anniversaire, ça les dépasse. Tu n'as pas demandé le cadeau. Oh mais je t'ai envie de le vendre dans ton. Hé, hey, Nina, ne t'amuse pas à moi. Hein. Je vais te bloquer de mon direct. Tu dis qu'elle ne mange pas bien avant d'emballer. Est-ce qu'on mâche le riz? Qui mâche le riz ici parmi vous? Je critique ma façon de manger. Oh, le troisième. Là-bas. C'est tout seul. D'accord, pas de problème. Moi, j'aime manger la nourriture des autres. Ah non, on laisse comme ça là. Laissez. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne résistent pas, ils empoisonnent d'autres personnes. Il y a les meurtres qu'on a commis, qu'on n'a même jamais élucidé. Et si vous regardez bien, ce sont les gens qui sont à côté de vous. C'est la personne qui était à côté de la personne là. Oui. Il y a les couples qui se sont séparés. Vous n'avez jamais pu vous expliquer. Vous n'avez jamais pu vous expliquer. C'était l'ami. Ou c'était la cousine. Ou c'était la soeur qui était venue gâter. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas ce qu'avait pris l'homme là. Tu ne sais pas ce qui s'était passé. Merci beaucoup. Quelqu'un s'était infiltré derrière. Il a parlé.
C'est un filtre, il parle. Il vient te dire une version. Il parle lui d'une version. Vous vous cognez la tête. Après, la personne vient te dire ouais. Ouais. La reine Rolande. Il y a la nourriture devant moi jusqu'à. Maman, aïe. Gop. Au pire que mes feux vous disent. Du coup, déjà, où tu as? Voilà mes nourritures. Voilà un. Voilà deux. Voilà trois. Voilà quatre. C'est ça qui passe pour le moment. Il y a le réseau de ça. Ça n'est pas là où ma nourriture. Je vais le dire le soir encore. Si vous ne me voyez pas le soir, vous me voyez demain matin. Ok? Il faut que je me concentre pour manger. Bonsoir, Sultan. Tu viens d'arriver. Bye bye. Je vais dire avec toute la nourriture que vous voyez ici devant moi. Bye bye. Ne me fais pas les inbox sur WhatsApp pour me demander à nous tuer. Bye bye. Ouais.